Salut les gens! Après le mariage que l'on a vu lors de la vidéo précédente, il est temps de se remettre au travail. Et notamment, ce qui m'attend, c'est une tâche très ardue. Très ardue, puisque là, les morts montreront au chemin, j'ai pas trouvé. Monter un cochon, c'est la galère. Tout ce qui me reste, c'est cultiver de l'avoine et la quête principale qui est de cultiver tout ça. Donc, on va essayer de se créer son petit potager. Son petit potager, j'avais pensé le mettre hein, donc ici. Alors, pour le faire, j'ai deux options. Soit j'y vais à la main et je vais biner tout ça et ça va me prendre un temps fou. Soit je fais comme au début du jeu, c'est-à-dire que je m'achète un cheval et j'achète une sorte de petite charrue. Le seul souci, c'est que au niveau, j'ai un tracteur, donc je pourrais m'en utiliser aussi mon tracteur, mais le problème, c'est que ben, je sais pas où est la marche arrière sur ce putain de truc. Du coup, je merdouille complètement. Donc, on va voir quand même combien coûte un cheval. Un cheval de trait comme ça serait bien. Alors, est-ce que j'ai assez de sous déjà pour en acheter? J'en sais rien. On va voir ça, traitons. Voilà. 3000. Alors, j'ai le cheval. Par contre, il faut l'appareil, le truc qui fait pour travailler avec. Si j'achète un cheval et qu'il reste dans un coin, ce con. Je veux bien acheter un cheval, moi, mais. J'ai peur que si j'achète le cheval, j'ai pas ce qu'il faut pour. Attends. Je visite avant de dépenser mon argent, durement gagné. Voilà la fin de Tadeuse. Pire des cas, je ferai ça à la main. Ça me prendra du temps, mais c'est pas grave. Une autre bouteille est prête. Ouais, je fais des élixirs, des machins, des bitonios. Bon, lui, il vend du matos, lui. Notamment, tu vois, le soc de charrue qui est là. Ça, j'aurais bien l'acheter. Ah, il y a un truc là? Ok. Ah, tiens, il y a une autre quête ici. Doux rêve. Ma défunte épouse a toujours rêvé d'avoir son propre rocher. Et donc, elle me sur Etienne, nous avons un. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, garçon? Attends. Là, je viens de voir un truc là. Doux rêve. C'est quoi cette quête? Construire un rocher pour Tadek. Oh, bah j'ai une nouvelle quête, super. Ça va peut-être me passer le temps. Alors, on va parler, on va traiter. Alors, voilà, c'est ça, une charrue. Ouais, et ben on va prendre ça. J'achète ça. Et je vais acheter. Vous pouvez aller où vous voulez. Ah, il est là le truc. D'accord. Faut que j'achète le cheval. Alors, on va venir au marché de Zalesi. Par contre, le temps il passe vite. Ouais, tu as faim, coco. Attends, on va manger un œuf. Hop. Voilà. On va s'acheter le cheval du coup. On va s'acheter quand même le cheval parce que je ne me voyais pas faire ça à la main. Voilà. Il reste plus qu'à le ramener à la maison. Le voilà. Alors. Est-ce que je peux le monter? Attends. Est-ce que je peux le monter? Arrêter de conduire, donner un coup de pied, conduire. Voilà, je suis dessus. Et on va se rendre directement chez Tadeuse alors que je suis sur le cheval. Est-ce que c'est faisable ça? C'est faisable. Allez, on va chercher la charrue. Alors je sais pas comment on fait pour le. Pour atteler ce machin. Voilà. Attends, c'est pas dans ce sens-là, Coco. Tu dois l'attacher ici. Là. Hop, on arrête, eux. Alors. Atteler cheval, eux. C'est bon. Ok. Faut que je revienne à la maison. Oh putain, ça va être long. Oh putain, ça va être long, je sens.
Où je suis là, il faut descendre la route. Oh putain, je peux pas me téléporter. Attends, je peux pas me téléporter avec le truc là directement. Hop, pour voir le cheval, il est où? Ah, bien, allez, viens. Viens Coco, on va labourer, on va faire un grand champ, on va faire un grand potager. Alors par contre, est-ce qu'il faut que je... On va commencer ici, top. Ouais, c'est bon. Allez, viens. Voilà. Hop. On va aller arrêter jusqu'à la souche. Top. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ça? Ça, ok. Ok, on va arrêter de labourer. Alors, attends. Viens là, Coco. Fais mes tours. Putain, ça va large, hein. Il tourne large. Hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Top. Là, la bourre. Voilà, tourne, on va continuer à labourer quand même. Il sera pas droit mon potager, mais c'est pas grave, je m'en fous. Allez, hop. L'important c'est que j'ai des trucs qui vont, que je vais mettre dedans. Voilà. Et après, il faut que j'achète toutes les graines que j'ai besoin. C'est bien. Je commence à tourner, Coco, voilà. Parce que j'aurais fait ça à la main, j'aurais dû désherber d'abord et ensuite seulement biner. Donc ça m'aurait pris un temps fou pour faire ça. Par contre, il tourne. Il tourne pas bien, Coco. Allez. On est déjà là. Ah, il va pas être droit du tout. Hein. C'est laborieux quand même. Hein.
Puis ça veut pas aller là où je veux. Que je veux, c'est créer un grand champ. Pour planter en une fois mes graines. J'aurais dû. S'il est pas droit, c'est pas grave, on s'en tape. J'ai le tournis. Je commence à avoir le tournis, moi. Allez. On va se replacer au milieu. On va labourer à partir de là. Voilà. On va arrêter de labourer là. Ah, puis le fait qu'il y ait du mauvais temps, c'est pas cool, hein. On voit pas grand chose en fait avec le temps qu'il fait. Voilà. On va arrêter d'abourrer là. Il manque le truc du milieu. Alors attends. Faudrait que je me place ça. Bien comme il faut. Voilà, on va relabourer à partir de là. Ce que je veux, c'est une assez grande surface pour planter toutes mes cultures en fait. J'en ai 7 ou 8 à planter des cultures. Et je voudrais bien que ça soit fait en une fois, même si je doute que ça soit faisable. Mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Désolé, hein, du temps que ça prend. Ça prend un temps de dingue. C'est pas du travail de précision. C'en est pas, ça c'est sûr. Mais... Voilà. Bah, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas trop mal. Allez, on y va. On laboure. Voilà. Il reste une petite partie. Et après, on va chercher des graines. Attends. Arrête de labourer, Coco. Ah, putain, il est coincé.
Et évidemment, la marche arrière. Voilà, je suis coincé. La marche arrière, je sais pas. Je sais pas l'utiliser, la marche arrière. C'est un truc de fou, hein. Il y a un gros problème avec ce jeu sur la marche arrière. Je ne sais pas aller en marche arrière avec que ce soit le cheval ou le tracteur. Du coup, je suis obligé de faire des grands tours. C'est bien chiant. Juste ici en face, là. Allez, on laboure à partir de là. Je passe au milieu. Ça prend une petite partie. Voilà, on va passer ici. Voilà. Ok. Il est coincé avec le truc. Il va se faire le tour comme ça. Donc là, je ne laboure pas. On va commencer à labourer à partir de là. Ici. Ça sera pas imparfait. Ce sera sûrement pas imparfait, mais c'est pas mal quand même. Voilà, on va arrêter de labourer là. Voilà, ce qui reste à labourer, c'est pas énorme. Il y a des petits trous par-ci, par-là. On va pas crever le cheval maintenant, hein. Il est coincé. Ouf, que c'est compliqué, hein. Que c'est compliqué. Voilà. Écoute, c'est pas mal, hein. Ça fait un bel espace, hein. Écoute, je pense qu'on va rester comme ça. Je crois que j'ai largement assez. On va arrêter. On va faire F. Terminer. Ensuite, on va aller chercher les différentes. Après, alors, récolter ce que j'ai du miel. Non, j'ai rien. On va boire un coup. Putain, il n'y a plus ici. Alors, dans mon journal, j'ai quoi? Des oignons, des pois, des choux, des carottes. Alors, graines d'avoine, c'est pas la peine, mais j'en ai quand même besoin pour moi. Alors, j'ai du blé, oignons, pois, choux, carottes, tabac, maïs. Alors, là, j'ai rien. J'ai pas de graines. Là, j'ai pas de graines. Ok. Là. Là, j'ai des graines de pois. Hop, je les prends. Ok. Alors, on va s'en acheter tout de suite. On va aller. Qu'est-ce qui donne des graines? Je crois que c'est Anna. J'ai un gros doute, mais je pense que c'est Anna qui donne des graines. Où est-ce que t'es, Anna? Ok, Anna, elle apparaît là. Hop. Prêtons. Alors. Graines d'avoine, je prends. Graines de blé, je prends. Ah, je peux prendre que ça. Ah, c'est tout. Oh. Graines d'oignon, je prends. On va prendre que 5. Ah, est-ce que tu achètes des bouteilles? Non? Alors, parce que je suis peut-être trop lourd. Attends. F, on va aller voir la planque de tadeuse. Je vais vendre les bouteilles que j'ai sur moi. Ça me fera des sous en plus.
T'as une faim de loup, bah oui, bah oui, Coco, t'as une faim de loup, bah attends, consommer. Consommer, voilà. Ah, par contre, il est super lourd, il avance pas vite. Il avance à une vitesse effarante. Et là, c'est les ruches que je dois construire pour la mission. D'accord, c'est juste là. On verra bien ce que j'ai besoin pour les ruches. J'y reviendrai pour la création de ces ruches pour la quête 1. Mais pour l'instant, moi je veux mon potager. Putain, je suis trop lourd. Je suis trop lourd. Salut. Ah, c'est dur de venir jusqu'à toi, ma cocotte. Salut, traiton. Écoute, j'ai des bouteilles à vendre, je sais plus quoi en foutre. Tiens, j'ai ça. De toute façon, je compte pas les boire. Le mariage, c'est terminé. La fête, c'est fini. Donc, je te vends mes petites bouteilles. Voilà. Pourquoi je me trimballe avec la distillerie portable sur la tronche, moi? Hop, confirmé. Ok. Alors, on va revenir là. Il est 19h, donc je pourrais pas tout mettre. Alors, on va déjà mettre ce que j'ai déjà, les graines d'avoine. Alors, les graines d'avoine, on se rappelle, j'ai pas besoin d'en avoir des masses. Juste un petit peu suffira. Alors, ici, graines d'avoine, on va faire ça. Et on va juste en mettre là. Voilà. Ici. Ici. Là, c'est tout. On va arrêter là. Pour les graines d'avoine, c'est bon. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas mettre des graines sur d'autres graines. C'est ça le problème. J'ai peur de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Alors, ici. Ouvrir. Graines d'avoine, ici. Hop. Là, j'ai des graines de pois, de blé et d'oignons fins. Alors, on va peut-être mettre ça ici, ça là. De toute façon, il va falloir aller se coucher, Coco. Il va falloir aller se coucher. On va mettre le miel là. On va mettre ça ici. Le tabac ici. On va se libérer au maximum. J'ai dû prendre la distillerie par erreur, c'est pas possible. Ça, on va le foutre par terre. C'est ça qui prend tout le poids, je pense. Voilà, on va le laisser par terre. On va dormir. Et demain matin, on achètera le reste. Allez. Oh, il attrape un rhume, Coco. T'attrapes un rhume, t'as attrapé froid. Enfin. Allez. Donc, elle a considéré que un mois s'était passé depuis Perpète. On va aller s'acheter les graines tout de suite. Donc là, j'ai déjà les graines d'avoine qui sont posées là. On va aller. Ah, bah, j'ai un animal ici qui est. Les graines, c'est ici. J'ai un animal qui est pris dans un de mes pièges. Parfait. Alors, traitons. Donc là, on va prendre le blé. Le blé, on va s'en prendre 94. Peut-être moins. 66, ça suffira. Hein. On va se prendre des graines de. Alors, les choux, je sais pas. Carottes, oui. Carottes, je prends. Et graines de pois, je prends. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Grève de tabac. Hop, je prends. Graines d'oignon, je prends aussi. Oh ben, j'avais déjà. Ok, c'est bon. Allez hop, on y va. Fin de Casimir. Et on va faire tout ça. Alors. Du coup. Pour mon potager. Donc là, c'est l'avoine. On va prendre les carottes. Ici.
Alors, les carottes. Ici. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, hop. Tout ce qui n'est pas mis par le. Hop, hop, hop. Ouais, t'inquiète, on va y arriver, Coco. Voilà. On va voir ce que ça va donner au final. Hein. Ah ouais. Bon, ça, s'il faut que je fasse sur les 50, c'est long quand même. Attends, Casimir là, il est en train de s'enrhumer grave. Ok, les carottes c'est terminé. On va boire son petit cachet, voilà. On va mettre les pois. Voilà. Alors les pois, pareil. Oh putain. Ah d'accord. Putain. D'accord. Oh c'est bizarre ça. Première fois que j'en cultive, ça fait drôle. Hop. Marc, c'est sympa de voir là ce que ça fait en fait. Hop. Ça va, j'ai encore de la marge. Hein. Ok, les pois c'est terminé. On va passer aux oignons. Enfin. Alors les oignons, pareil. Putain, c'est énorme. Ok, oignon c'est terminé. On va faire le blé. Alors le blé par contre là, c'est un peu plus... Ok. Okay, on va faire par là-bas.
Putain. Il y en a combien comme ça encore? 22? Putain, tout compte fait, mon champ, il est... Il faut de la place pour mon tabac, moi, maintenant. Tabac. Ok. Alors, le tabac. On va le mettre à partir de là. Oh, tu m'énerves avec ton préparation de sol, là. Ça parce que j'ai pas labouré là. Hop. Ok. Eh ben dis donc, franchement, j'ai bien travaillé. Hein. Donc les oignons, les pois. Ah, il me faut des choux et du maïs maintenant. Donc on est d'accord, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Donc il me reste des choux et du maïs à acheter. On y va, confirmé. Ouais, t'inquiète, on va les boire un coup après. Hein. Il faut des choux et du maïs, Coco. Traitons. Alors, graines de choux. Voilà. Et graines de blé, graines d'avoine, betteraves sucrières, framboises, myrtilles, graines de maïs. Voilà. Allez hop, merci madame. On va revenir ici. Ouais, t'as énormément soif. Attends, t'inquiète, on va aller boire un coup. Hop. On va boire l'eau du puits. Hop. Et on va planter. Alors, le maïs et le chou. On va mettre le chou d'abord. J'aurais pas assez de place. Alors un peu de chou là. Faut pas que j'empiète sur le tabac, hein. C'est ça qui me fait peur. Le tabac il est là, je vois. Ok. Changer tout de suite. Ça c'est quoi? Ok, on va faire le maïs. Maïs, on va commencer par là. On va mettre là. Ça va faire un travail de dingue quand tout ça, ça sera poussé. Ça va être un travail de titan. Ok, ça c'est bon. On va terminer avec le chou, le reste de chou.
Ah, je suis curieux de savoir ce que ça va donner d'ici quelques mois. Alors voilà. Donc toute ma production, elle est semée. Toute ma production. Le cheval, je ne sais pas où il s'est barré. Mon cheval, je ne sais pas où il est. Ok. Alors ce qu'on va faire tout de suite, hein, vu que j'ai que ça à foutre pour l'instant, je vais me coucher. On va attendre que ça pousse un petit peu. Allez, confirmer jusqu'à 1 h du matin. On va laisser passer un mois encore. Hop. Ma femme est rentrée à la maison. Ah bah ma femme dort, vous voyez, tranquillement, habillée comme ça. Prête à aller bosser le lendemain. C'est fantastique. Hop. Et on va voir déjà comment ça va pousser. Ok, elle a veillé sur la cuisine, madame. Parfait, merci beaucoup, madame. On mange un petit coup quand même. Un œuf. Du pois avec les choux. Voilà. Alors, on est où, mon potager? Qu'est-ce que ça donne? Oh putain. Ah, c'est quoi? C'est la mauvaise herbe ou c'est quoi ça? Les carottes. Ok. Dans 26 heures. Ok. Ok. Ça, c'est mon tabac. 28 heures. Les choux. Le maïs. Ah, ça commence à pousser. Hein. Ok. C'est pas mal du tout. Mon petit potager, là, il commence à prendre forme. Magnifique. Bah écoutez, je suis très content de ce potager. Alors, juste pour moi voir, parce que j'ai une quête annexe en plus qui est construire. Alors, les ruches, qu'est-ce qu'il faut faire pour les ruches? Autre. Construire une ruche, il faut quoi? Il faut des planches. Pour une ruche, il faut 6 plus 12 planches. Il faut 18 planches par ruche, il faut 36 planches. Il faut 36 planches. Des planches, je crois que j'en ai plus. Je vais pas me faire chier, je vais en acheter. Ouais, j'en ai plus, je vais en acheter. On va prendre ça. On va aller. Alors. Hop. Alors, bois un coup, garçon. C'est bon pour ce que t'as. Voilà. Hop, on va aller acheter ça à la scierie. Après, on ira chercher les animaux là qui sont. Allez, hop. Salut les copains. Traitons. Je vais vendre ça déjà. Voilà. Et je voudrais t'acheter 36 planches, s'il te plaît. Je me trompe pas, hein. Ouais, j'espère que c'est bon. Hein. Je me suis peut-être trompé dans les calculs, là, j'ai un gros doute. Ferme d'Anna, on va confirmer. On va lui construire ses ruches. Non, c'est pas Anna, c'est la femme tadeuse. Hop. Voilà, c'est ici. Et il faut lui construire ses ruches à la cocotte. Alors, donc, construire. Ruche. Alors, on met une ruche ici. Alors, tourner. Parce qu'il faut que ça soit dans le bon sens, Coco. Hein. Voilà. Voilà. Il veut pas se tourner comme il faut. Voilà, c'est bon. Ensuite, il faut construire ça. Ah oh, putain, j'ai pas pris ce qu'il fallait, tu vois. Bah non, j'ai pas pris mon marteau. Oh, quel nul, bordel. J'ai pas pris mon marteau. Hop. J'ai trop de planches. Ok, on va chercher le marteau. Je sais pas où j'ai foutu. Hop. Marteau, marteau, marteau. Est-ce que j'ai pas mis ça dans le coffre là? Un marteau.
Pas de marteau ici. Ok, c'est pas là. Où est-ce que j'ai foutu mon marteau, moi? Là. Ici. Hop. Ici. Deux. Et prêt à y aller. Là. Voilà. Et on va construire tes ruches, madame. Voilà. Peut-être me manquer des planches. Ah oui, il manque des planches. 6 et 12, il me manque 18 planches. Alors, du coup, reparti à la série. Salut les copains. Excusez-moi, hein, j'ai oublié des planches. Je voudrais en prendre 18. S'il vous plaît. Merci les copains. Putain, j'ai plus de sous maintenant. Ferme de tailleuse. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Salut copain. Une récompense. 400, c'est tout. Putain. Traiton. Ok, j'ai rien. C'est tout. Pas d'autres cadeaux, rien du tout. Ok. Ouais, ça va. Hein, ouais. Ok. Ok. Alors, on va aller là chercher le. On va chercher le truc. Alors, c'est par là-bas. Il y a des people ici. Ça me fera des sous en plus. Oh merde. Tromper de touche. Oh putain. Tromper de touche. Oh putain. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Hop, je reviens sur le jeu. Voilà, c'est ici. Ok, largement plus bas. On va récupérer la carcasse de la bête, ça sera déjà mieux pour moi. Ok, un peu plus sur la droite. Ce qui est bien les pièges, c'est qu'on peut les poser et on les récupère. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de chasser. Les animaux tombent dans le piège tout de suite. Alors, c'est pas loin. C'est ici. Ok, on va le lever. On va le poser. On va réenclencher le piège. Voilà. On va le lever. On va se rendre chez moi directement. Confirmer. Pour pouvoir les triper, prendre la viande et tout ce qu'il faut. Voilà. Évidemment, il tombe là. Hop. On va le poser là. Et on va faire utiliser. Et on va commencer. Voilà, tout ça c'est fait, c'est pour moi, c'est pour Bibi. On va mettre ça, la viande, là-dedans. Ça on va se le garder, on ira le revendre. On va regarder où on va aller ici, juste derrière la ferme, chercher l'autre. Parce que mine de rien, les 8000... Brousouf que j'avais depuis le mariage, il ne reste quasiment plus rien avec l'achat du cheval.
Ça m'a coûté la peau des fesses. Alors, M, il est où? Il est sur la droite, un peu plus par là-bas. Voilà, faire attention parce que si je marche sur des pièges, je ne sais pas si ça fait claque. Alors, il est où, Coco? Ah bah, je devrais y être là. Là. Voilà. On le lève. Je pose là. Le piège, il est là. Je l'active. Je prends ça sur mes épaules. F. On va aller à ma ferme. Voilà. Et on va aller tout de suite. C'est la nourriture gratos, ça. Et potentiellement une rentrée d'argent. Donc. Hein. Oh putain. Utiliser. On commence. Voilà, c'est bon. Magnifique. On va aller vendre ça au marché de Zalesi. On va aller vendre ça à lui. Alors il me rachète pour quasiment rien le trophée. Saloperie, hein. Hop. La peau, bah, c'est pas. Il me rachète pas les trucs très chers, hein, je trouve. Hein. C'est pas cher payé. La viande, par contre, il me la prend. Bon, je reviens un petit peu à quelque chose de plus. Tu veux pas te battre, toi? Ok. On va revenir à la ferme. Bon, moi, pour tout vous dire, je suis très, 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 très pressé de voir ma production agricole. Et c'est pour ça que j'ai très envie, très, très envie de passer la journée là directement. Enfin, par contre, si je fais pas attention, j'ai rien à bouffer. Pour avec les choux, on va consommer ça. On est en quel mois là? On est au mois de mai. À mon avis, ça poussera bien au mois de juillet. On va dormir jusqu'à 3h25 du matin. Je fais exprès de passer le temps parce que j'ai très envie de voir à quoi ressemble mon potager. Une fois que ça aura bien poussé. C'est le but de cette vidéo d'ailleurs, hein. J'ai intitulé Le potager. La ferme est rentrée, elle dort. On va se lever à 7h26 du matin. On va être au mois de juin. Elle a veillé sur la cuisine, ma femme. J'ai soif. Le potager, on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Oh mon potager. Alors, un petit capture d'écran. Voilà, histoire de voir. Vous avez mes carottes qui sont là. Il y a, je sais pas ce que c'est ça. On verra. Là, c'est pas mal. Ok. Bah écoutez, ma foi, mes épis de blé, mes choux, mon potager. J'aime beaucoup mon potager. J'aime bien mon potager. Ah ouais, mon petit potager là. Il est pas mal. Une petite capture d'écran. Voilà. Il est pas mal. Mon animal de trait. Je vais peut-être plus en avoir besoin. Je pourrais pas le revendre carrément. Ça me ferait de la thune. Oula. Je crois que ma vache, elle est morte. Ah ouais, elle est morte, la vache. Oh putain, ma vache est morte. Oh les amis. Ma grosse vache, elle est morte. Puis je peux pas la lever. Hein. Ah, je peux pas la sortir. Je vais les triper sur place. Écoutez, on va les triper sur place. J'ai 6 viandes. Je peux pas voir sa peau. Ah, je peux plus. F, lever. J'essaye de la sortir du box. Oh putain. Ah, mais là, ça prend une place énorme. Levé. Tourner, je peux même pas la tourner. Ah non, elle me prend de la place.
Ah ouais, elle est morte. Je l'ai pas vendue en fait parce que je savais pas comment fallait. Je sais pas comment on fait pour la vendre. Alors toi, le cheval, il n'a pas encore faim. On va peut-être pas encore Et toi? Toi, t'es affamé, toi. Toi, tu vas crever aussi comme pourrir. Je m'en fous, mon cochon. Hop. Hop, mes poulets, ils me donnent les œufs. Voilà, des petits œufs ici. Alors, comme j'ai un peu la dalle, on va les faire chauffer. Ça va vite chauffer, ça, les œufs. Hop. Je savais qu'elle allait mourir, cocotte, mais je savais pas combien de temps ça allait durer. Œuf dur. Voilà. Ça prend 16 minutes. Œuf dur. Œuf dur. Vous faites que des œufs, je te dis pas le cholestérol. Je dis pas le cholestérol. Allez. Et je suis très très pressé. Parce que là, c'est quand même pas mal. Ah ouais, bien, 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 bien. Je sais pas quelle est la meilleure image que je peux montrer. Ah ouais. Les petits oignons et tout. C'est génial. Ah ouais. J'essaie de prendre, mais je voudrais prendre une image avec tout le potager visible. Œufs durs. Les œufs durs sont prêts. On va bouffer que des œufs. Voilà. J'ai encore des œufs à cuire. Dur, c'est bon. Alors j'ai envie de passer encore un mois. De toute façon, au niveau des quêtes, bah, j'ai plus grand chose, hein. Le tabac, j'en ai planté beaucoup trop. Des choux, peut-être un peu trop. Le reste, on verra. Allez. Pour le plaisir, j'attends ça et on passe au mois suivant pour voir le résultat. Parce que je suis impatient de voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai pas trop de difficultés à récolter mes petites choses. Alors, est-ce qu'il faudra que je prenne la faux? Il y a de fortes chances. Alors, on va aller faire un petit tour. Allez, encore les petits œufs à cuire, s'il te plaît. Allez, on enlève ça. Ok, c'est bon. Allez, je vais chercher la faux. Parce que ça tombe, il y aura besoin peut-être de la faux pour récolter les trucs. En tout cas, pour l'avoine, j'ai besoin de la faux et de la batteuse. C'est pas ici. Ouais, il faut prendre ça. L'arracheuse, on sait jamais. Et j'avais pas une faux. Ah si, là. Voilà, je pense que là on est bon. Enfin, on va aller passer la nuit direct. Allez, vivement que ça pousse ça. Et je pensais pas planter autant de choses en une vidéo, quoi. Personnellement, je pensais pas. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps. On va confirmer. Allez. Je fais exprès d'avancer le temps. Elle a veillé sur la cuisine.
C'est parti. Allez, on va les voir. On va boire un petit coup quand même avant. On est en quel mois là? On est au mois de juillet. Ok. Alors, vous voyez, ça pop. Ah, il y a du miel. J'entends qu'il y a des ruches là. Voilà, il y a du miel. Donc ici, on a nos carottes. Ils sont prêts pour la récolte. Oh! Eh ben écoute, allons-y. Allons-y pour les carottes. Ah bien. Allez. Allez, on récupère les carottes. Toutes les carottes. Et je dois en avoir combien les carottes? Dans ma quête, j'en ai pris 15. Les carottes 15 sur 40. Donc il m'en faut 40. Ou j'ai peur de que j'en ai peut-être pas assez pour la mission. J'en ai peut-être pas planté assez. Il va falloir replanter derrière. Ça sera pour l'année prochaine parce qu'à mon avis, ça c'est mort. Ok, ça c'est quoi ça? Carottes pourries. Oh putain! Ah, il y a des carottes qui sont pourries. Ah ouais, j'ai peut-être un peu trop tardé. Donc faut pas hésiter. Il faut ramasser tout de suite. Alors attends. On va mettre. J'ai plus de place. J'ai plus de place. On va le mettre là. Oh oui, 80 carottes! Oh putain! 80 carottes! Ah ouais! Ah bah les carottes, je les ai eues largement. Allez. On va voir les autres productions parce que je tiens pas à ce que ça pourrisse. Alors ça, c'est quoi? On sait pas trop. Les carottes, elles sont là. Détruire? Non. Ah, il y en a, ils sont bons. Il y en a... Oh putain, j'étais trop attendu. Ça, c'est les pois. Ok. Ah ouais, j'ai trop attendu. Ok. Il y a des plants qui sont morts. Oh putain, j'ai fait le con. J'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû vérifier avant. Parce qu'il y a des plants qui sont... J'ai 15 pois. Alors par contre, ça, on va le mettre ici. Attends, ça, on va le mettre là. Oh putain, plus de place. Ah merde, j'ai pas fait attention à ça. J'ai trop attendu en fait. Ah, quel nul. J'ai trop attendu. Donc détruire. Allez, récupère, on détruit ce qui est pas bon. Oh putain, ça a plus assez de place déjà dans ton truc, bordel. Ok. Ah ouais, bah j'ai 66 carottes dans la... Tu m'étonnes que j'ai plus de place. Allez. On détruit ce que je fais et je prends ce qui est bon. Ok. Ah, je pensais pas que qu'une grande partie de ma récolte allait être pourrite. Alors. Au niveau des pois, c'est bon. On va regarder les choux. Alors attends, ça c'est quoi? Les oignons. Prêt pour la récolte. On y va pour les oignons. Allez. Alors comme ça va être l'hiver après, il va falloir faire attention à ce que je revende tout. Oh putain, plus de place. Soit
60 oignons, je pense qu'on est bon pour la quête. Ok. Donc les oignons c'est bon, il me reste les choux, le tabac et le maïs. Alors, pourvu que le tabac et les choux soient pas dans la merde, c'est quoi ça? Tabac. Prêt pour la récolte. 1. 2. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est okay, ça faudra faucher. Faudra faucher ça. Ok, le maïs, j'ai peur qu'il soit cramé. Maïs prêt pour la récolte. Putain, allez, vite, on se dépêche. Le tabac c'est bon. Alors, j'ai 7 là. Tabac, j'en ai que 7. Ah non, là, 20. Ok. Au niveau des quêtes, oignon, pois, il me reste les choux, le maïs et les grains de blé. Les choux, maïs et grains de blé. On va prendre le maïs. Avant que ça crève. Les choux en passant. Il y en a, ils sont morts au niveau des choux. Ok, plus d'espace. Ok. Attends, je me retrouve avec un stock de nourriture énorme. Ah, j'ai 12 choux, 2 graines de maïs, 51 maïs. Ah, c'est pas mal, hein. Donc il me reste 8 choux à prendre et des grains de blé. 8 choux à prendre. Attends que je regarde maintenant. Ouais, 16 choux, c'est largement bon. Je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Je crois que j'ai jamais fait une aussi grande récolte. Allez. Donc ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il me reste les grains de blé. Alors les grains de blé, là c'est le blé, il est là. Alors comment on fait pour le blé? Bon, ça va. Alors le grain de blé, on va manger déjà. Alors le grain de blé, je pense qu'il faut faire comme pour l'avoine. Il faut utiliser la faux. C'est ça, hein? Attends. Ah, j'ai que de l'herbe. C'est ça qui me fait peur.
Si je fais... Attends. Attends. Ça. Non, ça fait rien, ça. J'ai peur que... Parce que pour ça, c'est sûr, pour les graines d'avoine, il faut prendre la faux. Alors, attends. Ça. Faut prendre la faux. Tu vois que c'est pas assez. Putain, ça fait que de l'herbe. Hein. L'herbe coupée. Je m'en fous de la couper, moi. Ah, c'est trop tôt peut-être pour le blé. Il est peut-être trop tôt pour le blé. Et je vois pas l'état du truc. Donc, alors comme ça me semble trop tôt, on va attendre encore un mois. On va encore attendre encore un mois. On va récupérer déjà. On va récupérer ce qu'on peut. Putain, il y a l'orage. On va récupérer ce qu'on peut et on va les vendre la production dès qu'on peut. Parce qu'après ça va être l'hiver. Temps de dingue. Ok, j'ai plus de place. Oh putain. Ouh, j'ai un freeze. J'aime pas les freeze. Ok. Oh putain, j'ai... Bordel après pour tout vendre. Faut que je m'achète un chariot, une charrette, parce que là je vais en faire des allers-retours. Hop. Voilà. Il est 10h30 du matin, il fait un temps tout pourri. Alors, carotte, on va détruire ça. On va éviter que ça pourrisse sur place. Enfin, c'est déjà pourri. On va récupérer ce qui est bon pour la récolte. Je pense qu'il faut que j'attende encore un peu. Ça prend un temps fou pour ramasser ce machin. Ça prend un temps de malade. Hein. Fou. Wow. J'ai jamais eu autant de bouffe. Par contre, avant l'hiver, faut que je revende tout parce que tout va pourrir, ça va être une horreur. Ok.
Je pensais pas que ça allait donner ce résultat-là. Hein. J'ai encore des. Ah non, ça c'est les oignons. Écoute, tout ça, je vais aller le vendre. Hein. Waouh! Tous ces trucs-là, je vais tout ce que je ramasse là maintenant, je vais les vendre direct. Ok, je suis trop lourd, on va les vendre tout de suite. Marché, confirmé. J'ai au moins 4 animaux qui ont été pris. Alors, on va le vendre à la marchande de légumes. Traitons. Bonjour madame, je vous vends 57 pois. Je vous vends encore ça. La ferme d'État, d'accord. La ferme d'État. Ok. Est-ce que vous achetez des oignons? Oui, les oignons, tu me les achètes. Ok, super. Écoute madame, c'est gentil, tout plein. On va aller visiter donc la ferme d'État ici, confirmé, pour me racheter tous mes produits là. Par contre, ouais, si je fais une culture comme ça, j'ai tout intérêt à m'acheter un gros chariot parce que j'ai pas fini de faire des allers-retours. Allez. Alors, où est-ce qu'il est mon copain? Salut garçon. Je viens de vendre des trucs là parce que ça déborde par chez moi. T'achètes ça? T'en as pas besoin, je t'en fous. T'achètes de la viande? Ouais. Voilà, merci monsieur. Par contre, t'es chier, hein, tu m'achètes pas le. Tu fais chier quoi. J'ai des pots à vendre, merde. Salut toi, tu m'achètes des trucs ou pas? Traitons. Des pois, t'en prends? Putain. Qu'est-ce qu'il m'achète des pois alors? Toi, toi. Oh, putain. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux aller voir là pour vendre ma production? Il n'y a pas une nana là qui traîne là? Une cocotte là, toi la cocotte là. Tiens. Salut madame, toi t'achètes des pots toi non? Ouais t'achètes des pots toi. Hop. Voilà, merci madame. Très gentil. On va revenir là, confirmer. Voilà. Hop. Parce que j'ai pas envie que tout ça pourrisse quoi. Hop. Si je peux récupérer des sous-sous. En fait, j'enregistre toujours ou pas? Oh, 1h14 que je joue. Putain. Je vois pas le temps passer. J'aurais bien validé ma quête là maintenant là. Le problème avec le blé par rapport aux autres, il te met pas dans combien de temps c'est prêt. Tu sais pas si tu dois faucher ou pas. Alors, hop. Ok, pas assez d'espace, c'est pas grave, on va partir à la ferme, ici. Parce que là, ça va bientôt être le soir, Coco. Où est-ce qu'elle est la dame qui m'achète mes trucs là? Tiens, bonjour madame.
On va traiter parce que tu vois là j'ai 90 oignons. J'ai 3 pois. J'ai des graines de pois. Et j'ai des graines d'oignons. Voilà madame. Merci madame. Au revoir madame. Hop, hop. Voilà. Je prends encore un voyage, c'est tout, à tout casser, hein. Attends, s'il me reste un peu, c'est pas très grave. Le maïs. Après, le maïs, je peux le cuire après ça. Je peux en faire du maïs cuit. Ce qui fait chier, c'est l'hiver qui va arriver après, quoi. Ça me saoule. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est long. Ouais, t'as soif coco. Travail dur, hein. Voilà. Voilà. Ok. Il va être 17 h là déjà. J'aurais pas le temps de tout vendre. Alors, j'ai 96. Comme ça. Comme ça. Voilà, madame. Du coup, je remonte un petit peu en sous-sous. Ça me fait de la thune. Ouais, t'inquiète, madame. Hop. Des choux. Voilà. Et tout le reste, c'est le blé qu'il faut que j'attende, je pense, encore un petit peu. Là, il faudrait vraiment que j'y arrive. Hein. Putain. L'avoine, c'est chiant. Je sais pas quand est-ce qu'il faut que je presse l'avoine. Donc ça, chou ici. 18 choux là. Ça ici. Ok. Donc on va passer encore un mois. Dormir. 6 h 12. On va passer en août. Et par contre là après je vais m'occuper de tout pour tout vendre. Après c'est tout, hein. Je vais pas filmer la vente. Parce que ça risque d'être un peu long. Hein. Parce que je vais faire beaucoup d'allers-retours, mais. Moi, ce que je veux, c'est de voir si. Ok, j'ai du miel. Alors, ça. Alors, est-ce que c'est bon? Mais ça fait que de l'herbe, ça me fait chier. C'est pas possible.
C'est pas en août, c'est en septembre. C'est en septembre, parce que j'ose pas du coup arracher ça, parce que... C'est bon, je prends. Allez, ça je prends. Ça c'est l'avoine. Alors vous voyez, je fais ça. Voilà. Ça. Et ça. L'avoine, c'est bon. Alors l'avoine, c'est particulier. Vous avez ici l'avoine coupée. Il faut la prendre et il faut la poser par terre. Une fois que vous avez posé par terre l'avoine, il faut prendre la batteuse pour avoir l'avoine. Voilà. Et je termine au moins une tâche. Et tout le reste, c'est du foin que vous pouvez donner pour le... Voilà, là, il n'y en a plus. Voilà, c'est de la paille en fait. Donc là, j'ai réussi à faire la mission livrer l'avoine. Il reste plus qu'à livrer à Tekla son avoine. C'est dommage qu'elle soit si radine. Tant de travail, je n'en tire un peu. Oh putain, il m'en faut plus. Oh, il m'en faut plus des graines d'avoine. Il faut que j'en cultive encore. J'en avais 60, mais j'en ai plus que 13. Ouais, parce qu'entre-temps, j'en ai vendu. Quel con. Putain, mais quel con. Donc c'est pas fini, ce truc-là c'est pas fini. Alors ça par contre ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Attends. C'est pas prêt ça encore. Le blé. Ah c'est dans 5 heures. Ok, dans 5 heures. Ok, dans 5 heures. Ok, c'est dans 5 heures. Il est quelle heure? Il est... 6h56. Alors, ce que j'en profitais de faire. Que je vais profiter de faire. C'est de faire ça. Vu que de toute façon, c'est dans 5 heures, donc sur les coups de midi, on ira. Je vais mettre ça ici. Ça, je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Je vais me libérer de la place le plus possible. Voilà. Ça. Pour vendre le maximum de choses. Et on va aller à la ferme d'État. Hein. Je pense que ça sera mieux. Voilà, j'ai libéré toute la place. Donc on va vendre mes 141 carottes. On va en garder une trentaine. On va vendre 119 carottes. On va vendre les pois. On va en vendre 38. Je m'en garde un peu pour moi. Graines d'avoine. Pourtant, j'en ai de la graine d'avoine. Hein. On va vendre des choux. On vend 37 et là je suis au max. Ok. On va aller vendre tout ça à la ferme agricole d'État. Et sur les coups de 11 h, on va pouvoir avoir le blé et enfin peut-être terminer la mission principale. Allez. Ah, c'est vrai que transporter une cargaison de choux, de machin, c'est beaucoup. Allez, 38 des carottes. Des choux. Voilà, madame. Merci, madame. Et du coup, je reprends pas mal au niveau des sous. Quelle heure il est? 10h13, c'est pas encore. Encore un aller-retour, et puis c'est bon, on va pouvoir prendre le blé. Donc, ici, on va aller voir jusqu'au bout. On va se prendre ça. On va s'en garder un petit peu. Qu'est-ce qu'on va vendre d'autre? On va se prendre une vingtaine de choux. Une vingtaine de choux, ça devrait suffire. Est-ce que j'en ai pas mis là-dedans? Si.
Il me reste des oignons, il me reste des trucs. Bon, c'est bon, on va faire ça. Ça suffit. On va aller vendre ça. Voilà. Là, il est 11 h passées, donc c'est bon, on va pouvoir aller. On va traiter. Je vais te vendre encore 15 choux. Ça coûte pas cher, les choux. Le maïs. Voilà, on va revenir à la ferme. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On va aller prendre un petit coup à boire. Et on va récupérer ma faux. Parce que je pense que blé, c'est comme l'avoine. Il va falloir prendre. Ouais, quelque chose qui passe pas là. Alors. La faux et la batteuse hein, ici. Voilà. Allez, on y va. Là, normalement, quelle heure il est? Midi. Alors. Ok. Alors, j'espère. Hein. Oui, ça a l'air d'être bon, c'est bon. Allez, on y va. Et on fauche. Et on fauche. Et on fauche. Et on fauche. Allez, tout le blé. Voilà, là il n'y a plus d'espace. Il y a quand même 61 trucs de blé. On va en mettre 35 ici. Et on va en mettre ici. On va utiliser la batteuse. Voilà. Et on a ce qu'il faut. Il faut récupérer les grains de blé. Là, il n'y en a plus, j'ai l'impression. Je peux pas aller plus loin ici. Et voilà, la tâche terminée, la tâche principale que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo, elle est faite. Hein, et je pensais pas y arriver d'une seule traite. Franchement, c'est génial. Par contre, j'ai vendu ma production, mais j'espère qu'il fallait pas la garder. Ah non, la tâche elle est plus là. Elle est plus là la tâche. Ma tâche principale, il me reste plus que ça à en faire. Oh putain. Ah mais j'ai quasiment tout fini quoi. Ma quête principale elle est faite là. Ok. Là j'ai 61 grains de blé, ce qui est quand même énorme. Bon, je vais terminer ma récolte et puis je pense qu'on va se laisser là. Donc ici, on va mettre le blé ici. On confirme. Et voilà. Voilà. Ici, on va continuer.
C'est quand même beaucoup de lait. Ici. Après, c'est pas très malin de mettre ça sur mon champ, mais bon, parce qu'il va falloir que je le. Faut que j'évacue tout ça. Là, je pense que j'ai fait bon. Ah si, encore. Ok, là c'est bon. Ok. Le truc qui traîne par terre, j'accupère. Et bah dis donc, ça va en faire des grains, putain. Ok, c'est bon. Combien j'en ai là? 125 en blé. Ouhou. Du coup, on va aller là. Je vais leur vendre celui-là. J'en ai 60, ça me suffit largement. Allez, on va vendre les grains de blé. À Gertrude. Salut Gertrude. Voilà, madame. C'est bon. Bon, les gens, je pense qu'on va se laisser là. Moi, je vais continuer. Je vais chercher mes trois bestiaux là-bas. Prendre de la viande, prendre tout ce qu'il faut. Et puis, bah, écoute, et puis déblayer un petit peu mon bordel là, parce que je trouve que avec les oignons sont pourris là. J'ai trop attendu pour les oignons ici. J'ai pas fait attention qu'il m'en restait de toute façon. Et puis bah, on replantera l'année prochaine, comme on dit. Hein. Mieux pourri, déblaye un petit peu le terrain. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Que je bouge tout ce bordel là, putain, ça c'est chiant ça par contre. Voilà. Est-ce que ça je peux pas le mettre là? J'ai du fumier. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup ce machin. Hein. Ici. Voilà. Voilà. Parce que ça fait un sacré truc hein, ça. Hop. Ok. Place. Dans la mangeoire, je peux pas rajouter des trucs comme ça. Faut du fourrage, mais ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Dommage. Dommage.
Cheval, vache. Et ben on va mettre ça pour le cheval. Ok, là j'en ai trop. On va sortir le cheval quand même parce qu'il va, il va crever de faim, lui. Sortir l'animal. Voilà. Ok. Viens ici, copain. Viens. Je t'ai mis des trucs là, tout pour toi. Arrêtez de conduire. On va le laisser dehors, copain. Et puis, ben, ça, on va le laisser sur le côté. Allez, hop. 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 Et hop, on mettra après, au fur et à mesure, on mettra dedans. Voilà, je mets là, c'est juste pour pas le mettre dans le champ. Voilà, c'est juste pour libérer un petit peu de place pour le champ. Après, je m'en fous un peu parce que quand ça sera l'hiver, il va falloir recommencer à labourer de toute façon. Je sais pas pourquoi je ramasse tout ça, mais bon. Hop. Voilà, c'est bon. Ben écoutez, on a quand même bien travaillé sur le coup. On va laisser ça là. Bon, voilà les amis, on a vu le potager de la création du champ jusqu'à la récolte. Franchement, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des quêtes, ben, voyez, on n'a quasiment plus rien, il faut juste que je refasse de l'avoine. J'en ai que 13, je crois, dans mon stock. Du coup, graines d'avoine à utiliser, graines de carottes. Ah, j'en ai 108 ici, mais il ne tient pas compte de ce que j'ai acheté. Ah si! Ouh! Ouh! Attends. Ah, Tekla. C'est où Tekla? C'est qui Tekla déjà? C'est la femme là? Attends, Tekla c'est qui? Non, ça c'est Hélène. Tekla c'est qui? C'est pas Tadeuse, mais c'est qui Tekla? Objet trouvé par Tekla. Ferme de Hana. Ferme de Casimir. Merde, je sais même plus qui c'est Tekla. Attends. Ah putain, j'ai pas vu ça. Un van sur commande. Mon mari est mort, elle est toujours marché, donc tout ce qui est se trouve au bord du terrain pour moi. Mais dès que l'avoine. Livrer l'avoine. Attends, t'es classé qui? Voilà le marché. Je sais pas qui c'est, Tekla. Putain, je sais pas qui c'est. Tekla, c'est qui Tekla? Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin? Ah, attends. Attends, attends, attends. Tekla, si c'est l'avoine, c'est peut-être lui alors. Non, ça c'est Philippe. Putain. Toi, t'es qui, toi? Tom? Toi, tu t'appelles pas Tekla? Anne? Putain, c'est qui Tekla? Steven? Ils sont pas 50 000, les cocos, là, eux. Non.
Ouais, 2 secondes, copain. C'est pas le maire quand même. Ah, c'est chiant ça au niveau des quêtes, hein, de pas savoir livrer l'avoine. Ah, Tekla son avoine. C'est dommage qu'elle soit si radine. Alors, si c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Ah, Tekla c'est là-dedans peut-être. Attends. C'est pas la nana que j'étais voir là. C'est pas toi, Tekla? Putain, c'est qui Tekla? C'est une femme. Putain, j'ai l'occasion de valider ma quête, mais je sais pas où je dois aller. Oh, tu m'énerves avec ton monde qui gargouille, là, j'ai autre chose à penser, bordel. Tekla, c'est qui Tekla? Je sais que c'est... On va voir Anne. Parce que des fois il y a des différences entre le nom et... Mais il va faire nuit là. Ah c'est elle! Oui! Yes! Yes! Tâche terminée, avoine sur commande, terminée, fini, tout pipeau. Confirmé. T'inquiète, on va les manger copain. Va pas mourir, hein. On va les manger. On va les faire miam miam. Juste que je reprenne. Alors, un bouillon. On va manger ton bouillon, copain. Voilà, comme ça, moi. T'as tout ce qu'il faut. Et puis, on va faire dodo. Et puis, il me reste plus que 2 quêtes. Rodéo ivre et trésor familial. On va dormir. Et on va se retrouver en septembre, je crois, là. Du coup, septembre, octobre, je sais plus. Voilà. Ok. Alors, on est quel mois maintenant? On est en septembre. Et je n'ai effectivement que plus que 2 quêtes à faire. J'ai repris 5511. Il me reste ces 2 quêtes. Donc monter le cochon. Et les morts montreront le chemin. Et j'ai fini mes 2 quêtes. Apparemment, je n'ai pas de quête principale en plus qui s'affiche. Donc on verra bien la prochaine fois ce qu'on ferait. Est-ce que c'est la fin du jeu? Est-ce qu'il y a autre chose qui m'attend? Je ne sais pas. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt les gens. Salut, ciao, ciao. Bye bye.